8 000 nouveaux instituteurs seront disponibles pour la rentrée des classes 2014-2015. Ils viennent pour combler le déficit en instituteurs. L'information a été donnée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Camara. C'était au cours de la cérémonie d'ouverture des assises 2014 de la Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement, dénommée EXEAT. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pleinement conscience que l'amélioration des résultats scolaires passe par une allocation conséquente des ressources humaines. C'est ainsi que les effectifs enseignants du primaire vont s'enrichir d'une nouvelle fournée de 8 000 nouveaux instituteurs qui sont actuellement en formation dans les CAFOP et qui seront mis en responsabilité de classe au titre de l'année scolaire 2014-2015. Une innovation, ces EXEAT 2014 se tiennent avant la période des vacances scolaires. C'est un challenge qui a été relevé conformément à la volonté de Madame le ministre de permettre aux agents qui seront mutés dans le cadre de ces EXEA de disposer du temps nécessaire pour faire face aux contraintes et obligations qu'imposent ces mouvements. Ces nouvelles dispositions permettront à l'ensemble des personnels mutés d'être pleinement opérationnels dès la rentrée scolaire 2014-2015. Après la délibération de la commission de mutation, plus de 1 200 agents vont changer de poste dès la rentrée prochaine.